Yo la famille, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Barça, Real. Ah ouais! Je suis même pas chippé. Aujourd'hui, on a commandé une nouvelle machine à donuts, les reilles. On va faire des donuts américains. Mais par contre, attends, écoute. Comment on va faire pour mettre du chocolat dedans et tout? T'inquiète, mon reille. On va préparer la pâte, tout ça et tout. Viens, regarde comment elle est la machine. Mais déjà, il faut la monter. Ouais, on va la monter. Ah non. Oh. Allez, je kiffe le jaune. Ça se voit que tu l'as commandé sur un truc américain. Même pas. Comment elle est? On va l'ouvrir. Est-ce qu'il y a une sécurité? Ouais, attends, il y a une sécurité. Impeccable. On va se faire des mini donuts. Ça va être incroyable. Mais il faut faire la pâte et tout. On va faire la pâte. Let's go. Préparation des donuts, c'est parti. On va faire des donuts au M&M, au spéculoos, etc. Mais il faut préparer la pâte. T'inquiète pas, je suis un bon cuisinier. Fais-moi. Par contre, est-ce qu'on pourra mettre ce qu'on veut dans ces donuts? Oui, tu pourras ce que tu veux. Première étape, on prend la farine, on prend l'huile. On a pris de l'huile de coco. Sans. Ça sent bon. On met l'huile. Ah ouais, vas-y, j'avoue, je vais la laisser faire comme ça pour dire moi aussi je l'ai laissé faire. Tiens, prends l'huile et tu la verses dans le petit bocal en fer. Tu vois comment ça s'appelle? Ouais. Tu verses tout dedans. Ça s'appelle un truc en fer. Bah, voilà, impeccable. Ensuite, on a un mélange de farine. Si vous voulez la recette, la famille, vous regardez sur internet, vous allez trouver. Tu mets tout directement. Ouais. Carré, pour l'instant, c'est facile. La levure chimique, ça, c'est ce qui va permettre de faire gonfler le gâteau. Je peux mettre ça? Ouais. On met toute la levure chimique. Et on va rajouter. On rajoute deux trucs chacun. On va rajouter du lait. Le lait, il est là. Tiens, tu peux rajouter. Vas-y, mets du lait. Vous allez voir, c'est simple. Hein. Il y a juste un truc qui va m'énerver. J'espère ma mère va rentrer du travail avant. Tiens, vas-y, viens, on met le sucre. Tiens. Ça, c'est du sucre qu'on met dedans. Hop, on met tout, on mélange. Sans que ça sent bon. Myriam, tu m'as déjà abandonné. Moi, je vais pas te faire tout seul, hein, je te le dis. Regarde, la pâte, elle est prête. On va montrer aux abonnés, là. Regarde. C'est pas encore fini. Regardez. Bien. On est maintenant, faut faire le blanc en neige. Ya, B, j'ai réussi. Moi, c'est la dernière fois, j'ai pas réussi. Faut faire ce qu'on fait. On prend le blanc d'œuf. On le met dans le bol. Comme ça. Je crois que maman, elle a dit qu'il fallait rajouter une pincée de sel, non? Non. T'es sûr? Je te conseille pas. Moi, je pense que si. Ça va être dégueulasse. Non, mais c'est pour le blanc en neige. C'est pour le blanc en neige. Non. Maman, elle m'avait dit, je te promets, si je m'en rappelle bien. Elle m'a dit, c'est normal, Younes, t'as pas mis juste une pincée. Voilà, juste ça. Et maintenant, on va essayer. J'espère qu'on va réussir. Non. Mais non, ça se goûte pas. C'est des œufs bleus. C'est du blanc d'œuf. Ah. Je t'ai dit, Andou. Tiens bien. Je mets le reste du blanc. La famille aussi, on a notre snap ici. Venez suivre nos aventures tous les jours. On met des stories. Alors, regarde, l'étape, elle est simple. Oh, mais fais pas ça. On va pas manger. L'étape, elle est simple. On va rajouter du blanc de neige là-dedans pour que la pâte elle soit un peu meilleure. Je vais le faire, je vais. On va le faire en deux fois. Je te montre la première fois et tu fais la deuxième fois, ok? Alors regardez, on va enlever la cuillère. L'étape c'est ça. Ce que tu fais, c'est pas avec ça. On prend la moitié du blanc de neige. On le met à l'intérieur. Comme ça. Et là, tu mélanges toujours du même sens. Ok? Non, l'autre côté. Elle va me tuer mes donuts. Temps d'utiliser notre machine à donuts. On va l'ouvrir. Hop. Alors ils ont dit qu'il fallait. Ah, c'est normal, à chaque vidéo je me fais une brûlure, c'est pas grave. On met un peu de dégraissant pour pas que ça colle. Alors regarde comment on fait comme ça. Par contre la cuillère elle est trop grosse là frère. Attends, je vais changer de cuillère. Ça va vraiment être. Je pense que ça va vraiment être bon. On va mettre ça sur les petits moules. Fermez pour voir ce que ça donne. On ferme. Yacine, il vient de nous rejoindre, c'est l'heure de manger pour lui. Yacine, tu peux regarder vite fait comment ça se passe? J'ai acheté une machine de donuts, là, normalement ça devrait être prêt. Mais tu comprends pas, grave. Ça, c'est pour enlever les donuts. Tu me dis si je me suis fait arnaquer ou pas. Ce truc, hein, vraiment. Il y a une sécurité en bas, juste tu tires. Vas-y, ouais, c'est là, t'inquiète, ça brûle pas. Waouh, incroyable, les rails. Yes, on va tous les sortir. Et Yacine, t'en penses quoi? Ça a l'air incroyable. On va tous les sortir et après on va les custom. Oh! Je suis vraiment super content. Regarde. Incroyable. Vraiment, la machine, elle est incroyable. Oh, la gourmande. Elle est en train de manger la garniture en cachette. Là, on a toutes les garnitures possibles. On va essayer de faire les meilleurs donuts. Je vais commencer. Je te laisse manger en premier. Donc, moi, vous me connaissez. On va commencer directement par le Nutella. On va faire combien?
Ben on peut en faire illimité, frère Théma, tout ce qu'il y a. Moi je commence par le Nutella, donc on prend je bien. Peux en faire de mon côté aussi. On prend bien généreusement du Nutella. Je fais le mien, en fait, je fais le tien. Non, je peux en faire de mon côté. Voilà, on met du Nutella bien au-dessus, ouais, comme ça. Mais espèce de grosse vache, pose ça tout de suite. Non. D'abord on est custom. C'est pas d'abord on mange. Mais non, je vais customiser. Ah, ben attends, je fais le mien, en fait, je custom le tien, t'inquiète. Non, Myriam, sinon je fais plus de vidéo avec toi, vraiment. Ensuite, dès que j'ai mis le chocolat, on va rajouter sur celui-là des pépites de chocolat blanc. Ça, pour l'instant, c'est mon meilleur combo. Comme ça, hop. Bon, il n'y a plus le trou du donut, sinon on s'en fiche. Voilà, à ton tour. Qu'est-ce que tu nous proposes, toi? Alors, déjà, je vais prendre mon beignet. Un donut, donut, dis-lui donut. Montre la pâte à tartiner, qu'est-ce qu'il y a comme pâte? Alors, t'as myrtille, t'as beurre de cacahuète, t'as spéculoos. Tu veux spéculoos? T'as M&M's. Je vais goûter celle-là, c'est quoi? Beurre de cacahuète. Ou celui-là. Spéculoos? Ok, spéculoos pour elle. J'en ai juste deux. Je vais voir comment il est ton donut. Attends, j'ai pas terminé. Vraiment une gourmande, hein. Tout ce que tu mets, un tacos 3 viandes. Eh, hey, mais pourquoi il n'y a pas de chocolat? Il est tombé, tu les as fait tomber? Je vais nous voir un petit peu. Ok, pas mal. Là, on est vraiment en train de faire des vrais donuts. Mais par contre, tu me laisses pas faire. Incroyable. Myriam, je vais te laisser en faire deux ou trois et on se retrouve à la fin. A few moments later. Je fais vraiment un calinou parce qu'on s'est trop bien débrouillé. D'ailleurs, c'est une série que je vais faire bientôt. Enfin, que je commence tout de suite. On va faire des bêtes de trucs, viens voir. Par contre, j'espère que ça a l'air bon. J'espère que c'est bon, moi aussi. Oh là là, qu'est-ce qui te fait plaisir? Moi, perso, celui qui me fait plaisir, c'est celui-là. J'ai trop envie de le tester. Oh, j'ai trop envie donuts, de tester le mien. Chocolat, Nutella. Carré chocolat blanc. Moi c'est chocolat Nutella avec M&M's avec des bijoux. Waouh, mon démon s'est réveillé. Mais non, qu'est-ce que j'ai fait? C'est trop bon les frères. T'as vu? 10 sur 10, c'est ma meilleure recette. Donc maintenant je vais tester quoi? M&M's. 100%. Avec un truc au vert. C'est trop bon. De ouf, c'est trop. La machine, je lui mets 8 sur 10. Quoi? La machine? La machine là-bas, je lui mets 8 sur 10. Quoi? Parce que je peux pas lui mettre 10 sur 10. Vous savez pourquoi? Parce que les donuts sont tout petits. Parce que c'est vraiment tout petit, regardez. Mais sinon, elle est incroyable. Elle est vraiment incroyable. Moi, le donut, je le mets 10 sur 10. La machine, moi, je mettrais 8 sur 10. La pareil. copieuse. Non. Je te jure, je copie pas parce que c'est... La copieuse, la copieuse. J'espère vraiment que ça vous aura plu. Tu sais pourquoi? Parce que quand tu mets le truc, il n'y a pas de trou. Ouais, c'est vrai. J'espère que ça vous aura plu. En tout cas, on a kiffé faire cette vidéo. La prochaine fois, on va commander une machine pour faire des glaces. Ça va être incroyable. Une machine pour faire des glaces? Ouais, t'en veux pas du coup celui-là? Non. Mettez un like, abonnez-vous. Ciao.